أزول نشوف يسوى نكمل مسلاي غاف لزاود نكمل نولي عند بافات السوعث يذنا كنا ثنوما خاصة شحال يقود يذنا لا موسى كتهرا زول فلاك يا موسى أزول فلاك يذنا غدا غن مسا فورتوني سارا ليلي أزول ولا نتاف تاترجيس نا تاموشاخ Avant qu'on parle un peu, Moussa, j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui, on est avec une juriste, on va un peu parler de l'Azawad, de la proclamation d'indépendance, des droits des pays autochtones. Avant, j'aimerais qu'on revienne un peu avec toi sur le politique. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu parce que je sais que tu étais très occupé. Bruxelles, Strasbourg, Barcelone. Alors, il est important aujourd'hui d'aller voir les responsables européens, de leur expliquer la situation dans l'Azawad. Tout à fait. Je pense que nous sommes passés d'un premier stade, le stade de combat, le stade de la libération nationale, au stade de recherche de reconnaissance internationale. Cela aussi explique le changement et des stratégies du MNLA et de la communication du MNLA. Donc du discours militant, on passe d'un discours d'État, et ce qui nous amène à aller vers les États, aller vers les politiques, et c'est ce qui explique qu'on fait la part, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence entre les États, on va vers tous les États pour leur expliquer le projet politique du MNLA et aussi l'importance aujourd'hui de reconnaître que le MNLA est un mouvement avec qui on peut parler et avec qui on doit parler sur l'avenir de toute la région du Sahel. Et aujourd'hui, effectivement, à Strasbourg, nous avons été accueilli officiellement par le Parlement européen. Le débat a été très intéressant et il s'en est sorti que le Parlement européen s'engage déjà à aller vers la population de l'Azawad qui a été contrainte à l'exil, qui a été contrainte à se constituer réfugiée pour apporter une aide dans le cadre de l'aide humanitaire, mais aussi engager un début de discussion et de dialogue avec le MNLA, que ce soit entre le Mali ou le MNLA, que pour, entre la CEDEAO et la communauté internationale et le MNLA. Très bien. Alors, je reviens vers vous, Sarah Lala. Je sais que vous êtes membre ou responsable d'une association Touareg internationale. Mm. Vous êtes même la responsable, vous êtes juriste, vous êtes du Niger. Est-ce qu'ils ont fait la proclamation de l'État de l'Azawad? Est-ce que c'est facile, on a le droit comme ça, par rapport au droit international, de déclarer un État indépendant, de faire une déclaration d'indépendance? Ce qui est sûr, c'est qu'en matière de sécession, le droit international ne reconnaît pas un droit à la sécession de cette façon-là. Ça a été surtout appliqué au contexte de la décolonisation. Maintenant, même si elle ne reconnaît pas un droit à la sécession, elle n'interdit pas non plus de manière textuelle, formelle, par un droit positif, l'interdiction de la sécession. Et elle ne pourrait pas le faire. Comment on pourrait imaginer qu'il y ait un droit international qui soit fait de telle façon à ce que les États peuvent commettre les pires abus à l'intérieur de leurs États sans que personne ne puisse faire quoi que ce soit, parce qu'il y aurait une interdiction formelle de ne pas faire sécession, de ne pas revendiquer quoi que ce soit. C'est impossible. Donc effectivement, elle n'est pas pour les sécessions, mais en même temps, elle n'a jamais interdit. C'est le principe de liberté. Est-ce qu'il y a des instruments internationaux qu'on peut utiliser pour déclarer la sécession, pour l'indépendance? Il y a eu un cas de sécession unilatérale, ça a été celle du Kosovo, en fait. Il n'y a pas d'instrument. Par contre, il y a des instruments qui protègent les droits des personnes. Et ces instruments-là, et la plus remarquable, qui est une déclaration de la résolution 26-25 des Nations Unies, qui dit en quelque sorte qu'effectivement l'intégrité, toutes les dispositions ne doivent pas pouvoir porter atteinte à l'intégrité territoriale, mais il marque aussi dans tous les États qui respectent les buts des Nations Unies, et entre autres, celle des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc effectivement, les gens, ils ont vu à travers ce texte-là, le paragraphe 7 de la résolution 26-25 des Nations Unies, une brèche pour dire un État qui ne respecte pas le droit interne d'autodétermination pourrait donner en fait au peuple la possibilité de pouvoir revendiquer son autodétermination à travers ce qu'on a appelé la théorie de la sécession remède en fait. Donc effectivement, la sécession, ça a été cette théorie-là, elle découle directement de la déclaration 26-25 concernant les relations amicales entre États et tout le reste. Et on a vu aussi, vous avez parlé du Kosovo, on a vu
le Soudan, le sud du Soudan, on parle aussi de l'Éthiopie et l'Érythrée. Et comment ça s'est passé juridiquement pour ces pays-là? Alors, je ne peux pas vous dire a priori exactement comment ça s'est passé, mais on sait que le vrai cas de la sécession remède, celle qui a vraiment marché, c'était celle de Bangladesh, en fin de compte. Effectivement, ils ont posé beaucoup de conditions à travers le cas du Bangladesh, où il fallait effectivement une violation massive, presque génocidaire, à l'intérieur d'un pays, et des échecs de négociations, une discrimination plus que flagrante à l'intérieur des États, enfin, toute une série de conditions. Je veux dire que si on devait attendre tout ça, on aurait un État génocidaire, en fait. Pourquoi faut-il attendre que ce soit un État génocidaire à ce point-là? On ne trouve pas tout ça chez vous, voilà. Azawad Moussa. Ce que je dis, le problème, c'est qu'il ne faut pas forcément attendre que ce soit un État de génocide pour pouvoir revendiquer des droits. Et en même temps, le fait qu'il y ait cette interdiction, qu'il faut qu'il y ait, on va dire, toutes ces conditions pour pouvoir ouvrir une sécession remède, c'est quand même malgré tout un garde-fou pour les États, parce qu'ils savent que les personnes ne vont jamais attendre une situation à ce point catastrophique pour pouvoir demander la sécession. Et normalement, ça devrait faire un peu tilt dans la tête des États et des gouvernants de se dire qu'il y a quand même un droit à la sécession, mais le seul moyen d'arriver à neutraliser ce droit-là, c'est de protéger les droits de l'homme à l'intérieur d'un État. Et donc, à ce moment-là, on se met à l'abri. Dès qu'on protège les droits de l'homme, je veux dire, il y a aucun, normalement, il ne devrait pas avoir de sécession. Il ne devrait pas avoir de revendication sécessionniste. Oui, je voudrais tout simplement ajouter que la proclamation unilatérale d'indépendance de l'Azawad faite par le MNLA intervient quand même à un moment où il y a une série de situations qui donnent une certaine légitimité à la proclamation. Ça, c'est sans entrer dans la connaissance parfaite du droit international. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 22 mars 2012? Il y a une junte de sous-officiers et d'hommes de rang et d'officiers très jeunes maliens qui ont fait un coup d'État, qui ont dissous toutes les institutions de l'État, notamment la Constitution, le Parlement, la présidence, le gouvernement. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, d'un État démocratique, le Mali se retrouve dans une sorte d'anarchie d'État. Le MNLA a mené une lutte de libération et a libéré totalement les territoires entre le 17 janvier et le 2 avril. Et jusqu'au 2 avril, le Mali n'avait aucune institution légitime. Du coup, nous, pour préserver notre population, préserver certaines garanties de sécurité des personnes et de leurs biens, nous avons pensé qu'il était plus qu'urgent de couvrir notre population d'un certain nombre de garanties, notamment les garanties de la sécurité des personnes et de leurs biens, la sécurisation du territoire, la sécurisation des frontières qui étaient jusque-là ouvertes au trafic de drogue et aux pilules de mouvements salafistes et intégristes de tout genre. Oui, nous avons proclamé cette indépendance de manière unilatérale et nous avons jusqu'ici assumé pleinement... C'est difficile qu'elle rentre dans ce qu'on vient d'entendre, mais nous, toutes les conditions émises par les Nations Unies. Les conditions, elles sont ce qu'elles sont, mais la réalité, elle est ce qu'elle est aussi. Vous savez que avant le début des hostilités, le 17 janvier 2012, nous nous sommes inscrits dans le cadre du droit international relatif aux droits des peuples à décider pour eux-mêmes et le droit à l'autodétermination qui est le résultat quand même des luttes des peuples sur plusieurs années. Donc nous n'avons pas de manière aveugle demandé l'indépendance. Nous avons dit que nous sommes un peuple autochtone dont l'identité, la culture ont été niées et ont été complètement combattues par l'État malien et nous avons mené un combat dans ce sens-là. Les droits des peuples autochtones, alors ça aussi c'est un autre esprit. Bien sûr, alors c'est un autre esprit, en même temps pas, parce que les Touaregs sont reconnus comme peuples autochtones. Effectivement, certains États, comme je pense que le Mali peut-être pas, mais le Niger ne reconnaît pas les Touaregs comme peuples autochtones, mais les Nations Unies reconnaissent les Touaregs comme peuples autochtones. Effectivement, la norme juridique qui protège les peuples autochtones, c'est une norme non contraignante puisqu'il s'agit d'une déclaration. Ceci dit, cette déclaration, elle ne crée pas de droit nouveau en tant que tel. On peut retrouver toutes les dispositions qui existent dans cette déclaration. On peut les retrouver de façon contraignante
dans d'autres dispositions des Nations Unies, que ce soit les pactes des droits civils et politiques, que ce soit les pactes de droits économiques, sociaux et culturels, que dans la Charte des Nations Unies, il y a dans la Convention sur la discrimination raciale, sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, il y a plein de conventions qui établissent de manière contraignante les dispositions qu'on trouve dans la Déclaration des droits des peuples autochtones qui a été votée en 2007. Donc, effectivement, la déclaration, elle n'est pas contraignante, mais on retrouve toutes les dispositions. Et effectivement aussi, je ne pense pas que j'ai dit que c'était interdit de faire une sécession remède. J'ai dit juste tout le contraire. J'ai dit que comme ce n'était pas interdit, c'est permis. C'est un principe juridique. C'est le principe de liberté de tout ce qui n'était pas interdit est permis, en fait. Et effectivement, il faut contexte. Je pense pas quand on parle des droits des peuples à l'autodétermination, oui. Ça aussi, ça s'explique par quoi. Il vient de dire qu'on s'est basé sur ça, sur le droit des peuples à l'autodétermination. Dans ce cas-là, tous les peuples peuvent aller vers l'autodétermination. Mais bien sûr, et pourquoi pas. Moi, je me rappelle très bien d'une remarque qu'on m'avait faite par rapport aux Touaregs du Niger. C'était une Jarma qui m'avait dit, mais nous sommes tous des autochtones. Mais j'ai dit, mais très bien, entre tous autochtones, on devrait pouvoir s'entendre, puisqu'on veut exactement la même chose. Donc, et le cas des Touaregs, ça a été un cas un peu particulier, parce qu'il s'agit de populations nomades. Et ça a été plus difficile de reconnaître une souveraineté à des populations nomades qu'à des populations sédentaires. Or, la souveraineté, elle est là et elle existe. Et j'en veux pour preuve tous les traités, les accords qui ont été négociés avec les peuples nomades. Il y en a un, par exemple, qu'on peut citer comme ça, c'est la Convention de Gadames, qui a été signée entre la France et les Touaregs, les populations Touaregs sur place. Donc, vous ne pouvez signer un accord avec une personne si vous reconnaissez qu'elle est titulaire d'un droit. Vous n'allez pas signer avec moi quelque chose si vous pensez que je ne suis pas titulaire d'un droit. Et à ce moment-là, cela prouve que les populations nomades avaient une souveraineté territoriale. Parce que vous avez conclu avec moi un traité. C'est pas facile, c'est pas difficile plutôt, Moussa, aujourd'hui, de convaincre des pays pour que vous ayez une reconnaissance. Pour le moment, on n'a pas encore aucun pays. Vous savez, il faut pas fermer les yeux sur l'évidence. Aujourd'hui, il y a deux cas de figure au Mali et dans la ZAWAD. Vous avez un Mali qui est en totale décomposition, tant au point de vue institutionnel qu'un point de vue démocratique. Vous avez un groupe d'officiers et de sous-officiers qui font la pluie et le beau temps en piétinant les droits élémentaires des citoyens maliens en général et en oubliant complètement les acquis de la démocratie et le résultat du mouvement démocratique malien du 26 mars 1991. Vous avez une classe politique malienne qui n'a plus droit à s'exprimer, du coup n'a plus droit à proposer une solution tant pour les problèmes internes au Mali que pour les problèmes de l'Azawad. De l'autre côté, vous avez l'Azawad, un État qui a été bien sûr autoproclamé, mais dans lequel aujourd'hui travaille en parfaite symbiose l'ensemble des entités vivant sur ce territoire, notamment les Touaregs, les Songo, les Maures, et les PUL, qui se retrouvent aussi bien dans la nouvelle coordination nationale de la société civile de l'Azawad, élue cette fois-ci et non désignée depuis Bamako. Vous avez les mêmes composantes tant dans le bureau politique qu'au sein de l'état-major militaire. Et au-delà du droit international, il y a aussi des faits. Aujourd'hui, la scission est un fait. Et elle est consommée, la scission. L'armée malienne ne peut plus faire avancer vers la Zawad, elle s'est repliée jusqu'à 800 km au sud de Gao. Le MNLA, à travers la proclamation de l'indépendance de l'État de la Zawad, a respecté les frontières nées de la colonisation. Voilà une exception. Ce n'est pas une anarchie. Nous respectons les frontières avec l'Algérie, avec le Niger, avec la Mauritanie, avec le Burkina Faso. Mais d'un côté, vous ne respectez pas la frontière avec le Mali. Nous ne respectons pas la frontière avec le Mali parce que respecter une frontière avec le Mali, ça veut dire reconnaître que nous sommes aujourd'hui partie intégrante du Mali, alors que nous remettons en cause ce concept devant lequel pleurnichent certains États, certaines communautés internationales, le concept de l'intégrité territoriale du Mali, quand bien même que la même communauté internationale a bien fermé les yeux pour piétiner une certaine intégrité territoriale de certains États pour les mettre en place. Le Sud-Soudan est un exemple, le Kosovo est un exemple, l'Érythrée est un exemple. Dans le droit international, cette notion d'intégrité du territoire. Moi, deux choses. Hein. Alors, je ne veux pas parler en tant que juriste. mais j'aimerais aussi avoir l'avis du juriste aussi. Moi, je trouve que l'intégrité territoriale, elle n'est protectrice d'un État que quand elle joue le jeu de la protection des droits de l'homme.
dès l'instant où la protection des droits de l'homme n'est plus, je veux dire, n'est plus mise en œuvre à l'intérieur d'un État, je crois fermement que l'intégrité territoriale ne doit plus jouer en faveur de l'État, du pouvoir central. C'est vraiment une position, et je ne suis pas la seule d'avoir cette position-là, c'est à partir de là que a été lancée la théorie de la sécession remède, effectivement. Après, il y a eu un consensus au niveau international, au niveau surtout régional en Afrique, par rapport au moment de la décolonisation, c'était de malgré tout conserver les limites de la colonisation. L'OAL reconnaît les... Et la jurisprudence du Kosovo, elle a admis que cette limite-là, elle ne jouait que dans la sphère interétatique. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'un État, les limites administratives peuvent bouger, malgré tout. Donc les limites administratives peuvent bouger. Et je dirais même plus que ça, que le Mali, dans son affaire qui a été à la Cour de justice aussi, pareil, contre, le Burkina, par rapport à un morceau de terre, le Mali lui-même avait mis en avant le droit des peuples à s'autodéterminer pour pouvoir faire pencher la frontière de son côté plutôt que dans le côté du Burkina. Alors il a parlé tout à l'heure de l'autoproclamation. Est-ce qu'un État peut exister s'il n'est pas reconnu dans le droit international? Il faudrait au moins une reconnaissance, plusieurs, il faut qu'il soit admis à l'ONU, comment ça se passe? Alors effectivement, ce qu'on va dire, c'est qu'il faut qu'il ait au moins les attributs d'un État, un territoire, un peuple et un gouvernement. Et effectivement, la quatrième truc, c'était la reconnaissance internationale. Maintenant, en matière de reconnaissance internationale, on dit soit elle est déclarative, soit c'est elle qui elle est juste déclarative, soit c'est elle qui fait exister l'État. En fin de compte, non, elle est juste déclarative à mon avis. Et donc, effectivement, il a soulevé un point important, c'est le problème de l'effectivité. Vous avez conquis un espace. Maintenant, je veux dire, ça, c'est quand même pas rien d'avoir conquis un espace et d'avoir tracé une limite de ce qui est le futur État. Ça, déjà, c'est quand même le territoire. Après, effectivement, la communauté internationale, elle peut entériner ou pas entériner cette effectivité ou pas. Il y a eu des fois où il n'y a même pas eu l'effectivité territoriale, il n'y a même pas eu l'occupation militaire ou de la population, et la communauté internationale a quand même reconnu avant même qu'il y ait tout pour pouvoir donner de la chance à cet État-là. Est-ce qu'il faut un référendum ou pas? J'imagine qu'il y a peut-être. C'est effectivement le mieux, et je pense qu'il y a des choses qui ont été faites. N'est-ce pas? Bien sûr. Je te laisse la parole. Moi, je tiens d'abord à vous rassurer, mais surtout à rassurer le peuple de l'Azawad. Contrairement à ce qu'on essaye de lui faire entendre à travers les médias ici, j'espère que le vôtre ne fera pas partie de ceux qui vont faire peur à notre peuple. Vous savez bien nous rentrons dans un cadre très encourageant, dans ce sens où, que ce soit par rapport au droit international que par rapport à la communauté internationale, nous remplissons certains critères. Le premier critère, c'est que nous avons un territoire. Nous avons une armée capable de les sécuriser. Nous respectons les frontières territoriales qui nous lient aux autres pays, à part le Mali, qu'il serait ironique de respecter la frontière étant donné qu'on l'a combattue. Et ensuite, depuis la proclamation de l'indépendance, nous sommes lancés dans une discussion et dans un dialogue avec la communauté internationale qui fait qu'aujourd'hui, nous avons quand même la reconnaissance d'un certain ensemble de peuples. Parce qu'il ne faut pas ignorer et minimiser les soutiens des peuples. Nous avons eu des déclarations de reconnaissance, tant au niveau européen qu'au niveau nord-africain, qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notamment le peuple berbère en général, c'est quand même des dizaines de millions de personnes. Et si les États respectent leur peuple, ils sont obligés de tenir compte de la position de leur peuple par rapport à une situation telle que celle de l'Azawad. En Europe, nous avons le soutien du peuple catalan, nous avons le soutien d'une partie des Flamands, nous avons le soutien de certains Bretons, nous avons le soutien des Corses. Ça, c'est des peuples aussi. Et c'est des peuples qui ont quelque chose à dire, tant dans l'organisation interne des États dont ils relèvent, que dans la politique interne des États dont ils relèvent. Nous allons continuer. Aujourd'hui, nous sommes en train de dépasser les stades des peuples pour aller vers les États. Et il y a des États qui comprennent parce qu'ils respectent le droit international, qui comprennent parce qu'ils tiennent à certaines valeurs, notamment les valeurs démocratiques, et le principe aussi des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il n'y a pas toute la communauté internationale ne peut pas être unanime pour fermer les yeux sur ces droits-là. Est-ce qu'il leur faudrait un gouvernement, il leur faudrait des représentants pour être peut-être mieux reçus au niveau international, même juridiquement? Ils peuvent, comme ça, avec le MNLA, ils peuvent aller négocier au nom de l'Azawad, de l'État. Bon, de toute façon, oui, ils ont intérêt
à installer un gouvernement rapidement. Ben, c'est sûr, c'est sûr. De toute façon, et l'intérêt, elle n'est pas que pour les négociations, elle est pour le peuple aussi qui est en attente et pour toutes les institutions qui sont comme ça en stand-by. L'intérêt, Ils doivent faire comment du côté juridique? Qu'est-ce qu'ils doivent faire Comment vous pouvez les conseiller? Je ne suis pas une spécialiste de la sécession, malgré tout. Mais non, effectivement, après, au niveau international, ce qu'on va leur demander, c'est ça. C'est ça. C'est un territoire, un peuple qui adhère à ce territoire et un gouvernement qui adhère à ce. Qui est choisi par ce peuple-là. Ça, c'est sûr. Je pense qu'ils ont mis tout en œuvre pour pouvoir, effectivement, que ce gouvernement soit représentatif de ce peuple-là, de ces peuples-là qui sont dans la Zawad. Il n'y en a pas qu'un seul. C'est clair. Donc, c'est clair que nous avons, une fois de plus, apporté des solutions à ces attentes et à ces préoccupations. Aujourd'hui, à part le gouvernement, tout ce qui est cité sur ce plateau, nous l'avons fait. Et en plus, nous avons quand même, pour la première fois dans la Zawad, mis en place quelque chose d'extraordinaire, une coordination nationale de la société civile, c'est-à-dire que ce serait une entité indépendante du MNLA, indépendante des politiques, et qui représente l'ensemble des représentations, tant villageoises que communautaires, que les associations des femmes, que les associations de jeunes, que les ONG, les associations. Donc, elles ont désormais une structure au sein de laquelle elles peuvent s'exprimer et aussi influencer ou influer sur les décisions politiques dans la Zawad. Oui, c'est sûr. Moi, ce que je veux dire, c'est que même les Nations Unies ont reconnu eux-mêmes qu'il y a des fois une impossibilité complètement matérielle d'aller vers un référendum. Et elle a admis qu'effectivement, les peuples, malgré tout, étaient désireux de s'autodéterminer, malgré tout. Il y a des endroits où il y a des dictatures, où on s'imagine bien que les peuples ne voudraient pas de la dictature, mais ils n'ont aucun moyen de faire un référendum pour pouvoir accéder à l'autodétermination. Et dans ces cas-là, les Nations Unies ont bien admis qu'il peut y avoir des cas où il n'y a pas eu de référendum, mais ils s'imaginent bien que si on leur demandait, ce serait qu'ils auraient décidé telle ou telle chose. Donc, est-ce que si ce n'est pas intéressant pour eux, je ne sais pas, de demander à être comme État observateur? Non, eux, puisque c'est un État totalement... Parce que j'imagine qu'à l'ONU, il y a certains qui ont le statut d'observateur, avant oui. d'avoir le statut d'État entier. Non, c'est pas une... Moi, je pense que tout ne se joue pas autour du droit. C'est sûr. Tout ne se joue pas autour du droit international. Et même ces États qui sont censés être les garde-fous pour le principe du droit international et sa défense et son contrôle, ferment les yeux quand ils veulent pour mettre en place des choses. Nous, par exemple, la Palestine a des représentations au sein des Nations Unies, alors que la Palestine ne remplit pas les 50% des critères que nous avons remplis aujourd'hui. Nous avons un territoire sur lequel il n'y a aucune présence ni administrative ni militaire de l'État malien. Nous sommes la seule autorité légitime sur le territoire et personne, ni aucun État aujourd'hui, ne peut passer vers l'Azawad sans passer par les MNLA et les Azawadiens. Et d'autres États qui ont vu le jour, je suis désolé, mais cette décision a été prise soit à New York, soit à Paris. Nous, notre indépendance, elle a été arrachée et elle a été proclamée sur le territoire de l'Azawad. C'est sûr. Très bien, merci à vous. Moi, je voudrais juste finir sur deux choses, parce que vous avez posé une question pertinente à Mme Zakiatou par rapport à tous les faux prophètes qui arrivent au moment du chaos. Donc c'est bien tombé, parce qu'en ce moment je suis en train de lire un truc de Jean-Paul Sartre qui disait que le désordre profite à l'ordre établi et que toute destruction qui est brouillonne affaiblit les faibles, enrichit les riches et augmente la puissance des puissants. Donc effectivement, je pense que tout le brouhaha qu'il y a autour, qui peut se passer dans cette zone-là, je pense que c'est pour déstabiliser la région. Je pense que c'est pour déstabiliser des revendications qui sont au départ très pures, très valables. C'est qu'il y a des valables. États derrière, il y a des groupes derrière. Je ne vais pas lancer la pierre. Il y a un article de Mme Clodo Hawad qui est très très bien et qui en parle très bien. Je veux dire, d'autres ont dit avant nous. Et je dis, je suis vraiment bien tombée sur ce passage-là, que le désordre profite à l'ordre établi. Et dernière chose... en ce moment, cette année s'est jouée la théorie de la découverte, c'est-à-dire que les terres étaient 100 mètres, et à partir de la considération que les terres, les territoires étaient 100 mètres, on a pu s'installer parce qu'il n'y avait personne, enfin, ou il y avait quelqu'un, mais ce n'était pas des gens, ce n'était pas des personnes humaines en fait. Et ça, cette théorie de la découverte, tout le monde a été d'accord que ça n'existe plus, que ce n'était pas bien, qu'il fallait vraiment en finir avec.
Sauf que cette théorie de la découverte, elle a repris plusieurs autres visages. Aujourd'hui, on la retrouve pour tout ce qui est de l'intégrisme religieux, quel qu'il soit chrétien, musulman, juif ou tout le reste, de considérer que ce sont des personnes qu'on vient voir, ils ne sont pas assez chrétiens, juifs ou musulmans, et il va falloir les islamiser. Ça a été la pratique des premiers colons, hein, pour la théorie de la découverte. Théorie de la découverte aussi, quand il s'agit d'expulser les gens de leur terre pour pouvoir utiliser le minerai, on considère que ces gens n'ont pas de souveraineté, on les expulse ailleurs et on exploite le minerai sans consentement libre préalable éclairé. Ça aussi, pour moi, c'est de la théorie de la découverte de ce qui s'est passé il y a des centaines d'années derrière. Donc, cette théorie de la découverte, on dit qu'elle n'existe plus, mais elle existe et elle a différents visages. Il faut que les gens se disent qu'on n'est pas dans la Zawab ou dans l'Aïr ou ailleurs, on n'est pas sur des terres où il n'y a pas de maître. Il y a des maîtres. Voilà. Il y a des habitants, il y a des maîtres. Voilà. Moussa. Moi, je voudrais finir par vraiment rassurer tant la population de la Zawab que les amis de la Zawad et les peuples qui soutiennent la Zawad, que dans les toutes prochaines heures, nous allons procéder à la proclamation de ce gouvernement provisoire tant attendu. Mais sachez que vraiment c'est pour bien faire, c'est pour prendre en compte l'ensemble des composantes de la Zawad et l'ensemble des suggestions internes et externes à la Zawad pour bien faire les choses. Donc dans les prochains jours, il y aura le gouvernement qui sera le départ de la mise en place d'institutions démocratiques de la Zawad. Ensuite, lancer un appel à la population de l'Azawad, mais aussi à la jeunesse de l'Azawad, pour leur demander de résister, de ne jamais se laisser vaincre, d'accepter à affronter tous les ennemis de l'Azawad, parce que les ennemis de l'Azawad, ce n'est pas seulement dans l'Azawad, ce n'est pas seulement les Maliens, ce n'est pas seulement des forces visibles, mais il y a des forces invisibles, dangereuses, qui sont parfois de l'Azawad, qui veulent apporter de nouvelles idéologies, qui veulent mettre à genoux l'espoir de toutes les femmes, de tous les hommes, de tous les enfants, de tous les réfugiés qui sont partis à l'extérieur de notre territoire parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Donc, on dit non à tous ceux qui veulent combattre l'Azawad et on dit non à tous les extrémistes qui essayent de récupérer la victoire alors qu'au moment où on se battait, ils étaient bien cachés quelque part pour venir au bon moment. Merci. Merci Moussa. Merci. J'espère vous recevoir bientôt, te recevoir pour nous parler du gouvernement. Avec plaisir. Et puis j'espère vous recevoir bientôt, Fertounes Saralili, pour parler du droit, sans les politiques, du droit international, on va être plus à l'aise. Hein? Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci.